En vrai, c'est 7. Je pourrais le trade level 1, mais on va juste perdre la létale tempo et se fatiguer pour rien. Moi, je suis sûr qu'il y aura personne qui viendra m'aider. Lui, il y a potentiellement le Rengar. Je ne veux pas fight. Ça va mal tourner. Je sais très bien comment ça va se passer. Non, c'est quoi ça? Les gars, je suis avec un main jungle qui a lock son Malphite mid, Comet, Ghost Ignite. Je ne suis pas serein. Après, il a l'air d'être flippant, mon jungle. Mais c'est pas Cinerias. Il m'aurait dit, il m'aurait prévenu, je pense, si c'était lui. Ah, il y a 7. Ah, ils vont mourir là? Ok, ça peut être soit une catastrophe, soit très très bien. Pour l'instant, ça m'a l'air d'être un peu des deux. Faut que je vais hard push. Je vais start au Q et je vais hard push la wave. Si 7 meurt, c'est la folie. Hein. Quoique, parce qu'en vrai, il va avoir les deux foyers. Ok. Ça n'a aucun sens. Qui a eu les kills en face? Ah, Rengar, on a eu 2. Après, nous, Kalista, on a eu 3. Ça me permet de deny le 7. Ils ont sûrement claqué beaucoup plus de summoners que nous. Franchement, worse. And top is doomed for them. Pour le coup, j'ai rien eu sur l'action. Mais s'il a waste des trucs et qu'en plus, du coup, il perd sa wave et alors que c'est là où Seth veut jouer en early, force à lui. Seul bémol, c'est qu'il aura des potions. Et merci beaucoup, Alde, pour ce raid. Bienvenue à tous les viewers. Hop là. Je suis déjà en game. J'étais rapide et efficace pour lancer. Merci beaucoup pour ce raid. En vrai, c'est Seth. J'ai juste à jouer safe. Si je surjoue le truc, je vais juste me retrouver dans la merde. Par contre, j'aimerais bien qu'il ait pas le canon si possible. Il est que niveau 2. Je vais faire en sorte de au moins de punir si jamais il vient le prendre. Voilà. De la sorte. Il a pris un bon trade bien vilain. C'est parfait comme ça. Honnêtement, si je meurs pas du Rengar dans la minute qui suit, je pense que sa game est doom. Parce que Seth m'auscalera pas. Je pense que même s'il fait une BRK, au pire du pire, je serai déjà suffisamment bien pour pouvoir le snowball avant qu'il l'ait. Et une fois qu'il l'aura, j'aurai déjà probablement Tabi plus Bramble, donc il sera fini. Ouais, il y a Rengar. Je m'en doutais. Ça se voyait au setup de ma lane et tout que j'allais me faire gank. Est-ce que Malphite peut venir? Ça me dépannerait pas mal, là. Juste me donner l'info, je jure que c'est trop bien. Du moment qu'il meurt pas, le fait qu'il m'ait donné l'info que Rengar allait sur le carap, ça suffit. Je vais pas trade. Je vais profiter de ma plaque d'os pour pouvoir tanker le trade. En avoir rien à foutre. Ah, c'est un peu chiant. Et il freeze en allant pile vers le bush quand je m'en approche. Ah, sous. Ok, ça devrait être bon normalement. Il a cassé son freeze. J'ai une ward. Il fait plus de mouvements bizarres. Ah bah non, c'est pas bon, je suis mort. Faut que je lâche le E. J'en étais sûr. C'est pour ça que j'ai quand même dodge après parce que j'en étais sûr qu'il allait pré-shot mon flash, ce rat. Ah, du coup, j'avais même pas besoin de flash. J'aurais dû être un peu plus patient. Bon, ça commence à être un peu lourd. Ça commence à se voir. Juste respecte, hein. Bot gagne. Kalista est en 4-1. Encore? Non mais abuse! Je sais pas trop si on peut, mon frère. Je vais pas te mentir, je pense que t'es un peu en train de chier sur ma lane. Ah, t'as bien déposé un étron, ça fait plaisir en tout cas. Je peux pas keep. Hein. Quoique, j'aurais peut-être pu, je sais pas. Ah, j'ai essayé. Ah, mais j'avais pas le mana de toute façon. Je suis mort. En vrai, c'est un peu honteux quand même. On a vécu des games choquantes, mais là, c'est un peu honteux quand même. Il s'agirait que les 15 minutes de gank soient punies à un moment ou à un autre, quoi. Voilà, merci. Exactement. C'était ce que j'attendais depuis le début. J'ai qu'une assise sur les deux, mais je sais pas, ça nous met tellement bien dans la game que je m'en fous. Disdarius is smurfing out of his mind, ok, ouais. Je sais pas ce que j'ai fait, mais avec plaisir, mec. Ça a l'air de t'avoir rendu heureux. Bon, j'ai déjà les tabis. On va éviter de prendre les dégâts bruts. Trade est solide. Je vais aller chercher la plante. On est à 6,40 normalement à la spawn. Et il y a personne qui est censé l'avoir prise. Merci Jid pour le 5e mois. Respect, merci beaucoup. Le Mastery a pas chié. C'était un gank en deux temps. Franchement, réel. Non, honnêtement, il a très très bien rattrapé. Son premier gank était sus. Mais on récupère tellement par la suite que ça va. Moi, de toute façon, j'ai juste à pas surjouer ma lane et ça devrait le faire. Là, va falloir que j'aille drop une ward parce que si Rengar est là, pareil, je peux recrever. Et il avait l'air de bien aimer les caméras de la top lane. Ok, il est mid. J'ai encore un peu de temps avant de devoir mettre ma ward. Je vais la délay un peu. Ok, il a l'air de se diriger bot. Peut-être que je vais avoir un bon peu de temps même. Avec une auto de plus, je pouvais peut-être le tuer. Ok, il est mort, je pense. Il a trollé. Nice. En plus, il perd son flash sur mon ulti. Je l'aurais eu quand même, hein. J'aurais juste ghost et je l'aurais chase. Il avait plus de sort. Peut-être qu'il mourrait R et tout. Vous aurez fait un fight un peu long, mais il était mort dans tous les cas. Que je lance mon R avant ou pas, il était fini. C'est déjà téléguidé. Ok, je pense que je peux reset là. Je vais prendre ça. Est-ce que je dois go stride dans une game comme ça? Ah, je pense que c'est une game trinité, hein. Je pense no fake, c'est une game trinité. Ils ont beaucoup de mêlées qui vont rentrer dedans. Et leurs deux ranges, c'est pas des trucs très mobiles et pas des trucs qui ont une range de fou. Après, ça reste un Varus létal. Mais bon, on a beaucoup de trucs pour go in, on a beaucoup de setup. Sa game est finie pour le coup. Force à lui. Il est là deux niveaux derrière. Ah, lui, il fait vraiment Blade. Ça se trouve, il a appris de quand j'ai fait le match-up sur le stream tout à l'heure. Hein. J'ai été son professeur. Ah, désolé de te l'annoncer, Seth, mais. Ah. Ah, c'est moi qui suis fini du coup. Bon, il meurt normalement. J'ai reset les stacks avant de. Ah, il meurt pas. Putain. Oh, ça dégoûte. Je me suis fait cancel deux autos parce qu'il est.
Il est rentré dans le bush et à la fin il meurt pas à quelques HP près. Après c'est 7 hein. Il a son passif, il a de lifesteal, il a eu le triomphe. Bon c'est triste mais c'est pas grave. Non il peut pas passer derrière moi. Ah. Nice. J'avais espoir que ça passe mais j'avais pas le temps de faire un tout combo. Il avait forcément le temps s'il spammait sa touche Z, ce qu'il a probablement fait. Il avait le temps de le mettre avant que mon R parte. Bon, après ça me donne quand même un kill hein. Je crache pas dessus, c'est dommage. Je pense que j'aurais dû attendre un tout petit peu. En tous les cas avec le flash je tuais. J'ai la trinité ou pas encore? Pas encore. Alors je peux vendre une blade, ma blade mais j'aime pas trop. Ah je suis mort. Attends, je le tue je pense hein. Ok ouais. Petite dinguerie le gank. Vous savez que je peux quasiment le dive hein. En fait si j'ai les 5 stacks mon R lui fera tellement mal que je suis quasiment apte à le dive là. Regardez c'est Q timing parfait, ça me rend tellement heureux vous imaginez même pas. Ouais Trinité ça cogne un peu je crois. Trinité quand tu viens de l'avoir je crois que ça cogne un peu avec mon champion. Là en gros je lui mets ZR il est mort. Donc là en gros il s'amuse dans la game vous voyez. Là ce que je vais faire c'est que je vais le grab. Merde. Mais je crois que ça le tue vraiment. Mais oui je rigole pas en fait. Je ne suis pas quelqu'un de mensonger. Tout ce qui sort de ma bouche est une vérité. Je vais quand même récupérer la plante parce que même si Rengar est bot j'ai envie de pouvoir tanker. Attends parce que là je pense qu'il va venir mid et il faut que je sois là. Et oui. Et oui j'ai lu dans ton jeu mon gars. Ok faut se barrer par contre. C'est qui c'est TF? Normalement il aura pas d'ulti. Mais il a pété les plombs lui, qu'est-ce qu'il branle? Oh non, c'est vrai qu'il y a un nul sur Tam. J'ai. Faut que je space sa gold card. Faut se barrer mon frère. Mais ils pètent tous des câbles hein. Non par contre lui je peux pas t'aider, désolé mais... Il a une BRK, je t'adore hein Henri. C'est pas vrai, je sais pas qui c'est. Mais vraiment, je ne peux pas. Faut que je fasse attention parce que j'étais pas trop focus sur ma minimap. Je peux peut-être me faire gank. Non, c'est bon, y'a personne qui est susceptible de me gank. On peut si tu veux, mais... Je tank pour lui. Ok, j'ai un peu menti sur la fin, mais... En vrai, Darius m'a appris de fou à gérer ma vision. C'est tellement important d'avoir des infos quand t'es Darius. Parce que tu vas tellement te faire camp. Ce champion attise les ganks d'une force. Pourquoi pas d'auto après le E à chaque fois? Parce que EQ c'est un trou combo. Alors que si tu fais E auto Q, le mec peut flash et dodge ton Q. Alors que EQ, le mec n'a littéralement pas de frame. Genre même s'il spam sa touche flash et qu'il est pixel perfect, il ne peut pas dodge le Q, c'est impossible. Là, il est bien là. Là vous en faites pas, il va gagner ce 1v1. Putain il l'a bien joué hein, mais... Il a pas fait d'erreur, mais... Force à lui. Son champion cul. Et le mien est pas mal. J'irai pas jusqu'à dire que Darius est broken. Ça a beau être très oppressant en lane et très fort en early lane, voire même en lane et au-delà. Le champion a beaucoup de défauts. Pff, après, je sais pas si on a envie de fight ça pour être honnête. Hein. Oh. Non, faut que je erre le bon. J'ai hésité à flash, mais... Greedy, pas un kill qui apporte de fou. Je pense que je vais me contenter de ça comme play. Ouais, je crois que ça va lâcher un reset. Hein. J'ai pas mal de gold. Ok. Pardon. Je ne reset pas. En vrai, on prend pas l'inhib idéalement. J'espère qu'ils vont pas le laisser... Ok, c'est bon, ils ont pas été assez malins. Bon, je vais laisser ma top lane se faire un peu cabosser. Là, j'ai vraiment juste à split top en boucle. Forcer des plays sur moi. Faudrait que je sois strong side, je vais ping le hit venir. Il y a probablement le Rengar, mais je pense pas qu'il gagne le 1v2. Bah parfait, isole-moi de ton équipe. Je n'en demandais pas plus. Ah, compliqué. Compliqué, c'était littéralement 5, ils avaient tout. Je pouvais pas faire grand chose. Après, je pense que mon équipe venge et tue tout le monde. Les adversaires ont plus rien, là. Ah, quoique, hein. Peut-être que Yi est gotesque. Dommage. Oh là. Oh là là. Rengar fait pas de dégâts. Vraiment. Enfin, il fait des dégâts sur moi, mais il fait pas de dégâts sur mon ADC. Nice. Je vais direct run bot. Non, moi bot. Je vois que le Nashor, hein. J'ai pas d'autres bonus, donc... Laisse-moi tranquille, j'ai le breaker. Oh. Oh, j'ai cueilli. Oh, je cueille. Dommage. Deux bons kills livrés sur un plateau, là. Oui, quelqu'un va aller défendre le 7, là, on est intéressé. Hein. On va pas finir la game, vous en faites pas, on va aller défendre le 7. On a quelque chose à foutre de ce qu'il fait. Attends, en vrai, je tank. Hein. Vous en faites pas trust. On prend au moins cette tour et après on se casse. J'ai oublié que ça faisait ça.
Il y a quelqu'un qui est en train de troller là. Je sais pas qui c'est, mais il y a quelqu'un qui s'est foutu de la gueule du monde. C'est la Kalista. Oh, j'avais juste ma minimap, j'ai vu qu'on était tous sur un timing reset et qu'il y avait un mec deep dans la jungle adverse. Après, si elle s'est fait cancel back, je comprends et ça arrive. Je la blâme pas tant que ça. J'ai pas vu si c'était une fuite ou si c'était elle qui était allée délibérément. Allez, c'est parti. Allez, hop. Ça se nourrit. Il va me tuer, hein, là. Je suis paniqué, hein, du fait qu'il me tue. GG. Bon, moi, solide. 14-5 avec Darius, grinding, hustling.